Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes samedi 22 avril. Donc là, du coup, Jérémy il est parti pour le foot à Louan. Donc là, je suis tous les deux avec Ewan. Il est en train de boire son biberon d'eau. Les filles, elles sont chez ma mère. Hier soir, elles ont dormi chez ma mère. Donc du coup, ma soeur, elle va les ramener tout à l'heure. Donc là, aujourd'hui, c'est journée, un peu journée rangement. Là, cet après-midi, je crois que je vais ranger ma chambre. Parce que dans un état pas possible. Donc je vais faire un peu de rangement. Si monsieur Ewan me laisse faire, chose qui n'est pas gagnée. Hein, bébé, tu vas me laisser ranger ma chambre un peu? Oui. Faire la poussière et tout. Parce que franchement, ça fait un moment que j'ai pas rangé à fond la chambre. Donc je vais voir ce que je peux faire. En fonction de ce petit monsieur qui veut toujours le bras. Hein? T'es d'accord ou pas que tu veux toujours le bras? Est-ce que tu vas me laisser ranger ma chambre aujourd'hui? Hein? Et donc voilà quoi. Hein. Donc là, ce soir, Jérémy reprend le boulot. Il a eu 3 jours de repos. C'est fini. Donc là, il reprend aujourd'hui, ce soir, samedi et demain soir. Demain soir, donc voilà, donc là du coup on a mangé, on a fait un peu de, on a mangé du poisson avec, vous savez les petits filets de coulin là, le poisson tout blanc là, je sais pas si c'est ça, c'est le coulin je crois, on a mangé ça avec des brocolis et puis des pâtes et ce matin, j'ai fait un peu de sport. Ça y est, j'ai fait du sport ce matin. Ma séance de rééducation est terminée. Du coup, la sage-femme m'a dit de commencer le sport, mais en mode douceur, quoi. Donc, ce matin, j'ai fait 10 minutes de cardio et franchement, ça fait du bien, mais je suis cassée. Je suis cassée. Et j'ai beaucoup sué, hein. Franchement, ça se voit que ça fait longtemps que j'ai pas fait du sport. Hein. Et puis après, si le temps me le permet, je ferai aussi de la marche. Beaucoup de marches avec bébé Ewan dans la poussette. Hein? On ira marcher avec toi? Oui? Oui, bah toi, t'es pas content. Je crois pas que je vais ranger ma chambre aujourd'hui. Hein? Bon, voilà les amis. Regarde Ewan. Regarde, c'est qui? Regarde, attends. Arrête de pleurer, regarde. C'est qui là-bas? C'est bébé Ewan? Coucou, c'est moi bébé Ewan. Coucou, c'est moi bébé Ewan. Qui fait que de pleurer aujourd'hui? Je suis pas gentille aujourd'hui. Coucou grand garçon Ewan, oui. Donc ça y est, Loan il est rentré, ils ont marqué, ils ont gagné 6-2, il a marqué un but. Bravo fiston. Et Ewan il a été casse-cou. Hein, il a été casse-cou. Hein bébé. Ewan. Elle est qui? Elle est en train de boire son café, le papy. C'est la reprise du taf ce soir. Laisse-moi encore. Et mais tu fais quoi? T'es tombé? Et t'es tombé? Et fais des douilles, waouh! Et
Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Il aime bien ça quand tu... Il aime bien quand tu dis bonjour ça. À tous. Bonjour à tous les amis. Hello tout le monde, on espère que vous allez bien. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Ouais, je chante avec toi. Allez, on chante une berceuse à ma langue. Allez, hop, tu commences. Ah ouais, bébé. Tu veux m'arnaquer? Ah ouais, bébé. Mama gonagou. Oui. Bah. Oui. Ouais. Hey, tu connais les paroles, hein? Allez, je recommence avec toi. Ah oui, bébé, mama gonangu, titangu, batu wokoli, si apikamo, si wototoso. Ah oui, bébé. Hey, il a chanté la berceuse. Il dort pas, hein, ça marche pas, regardez. Il dort pas. Il y a la berceuse qui a été chantée, mais non, il dort pas. Ça marche pas bien. Bravo, hein. Bravo. Hey, t'es fort, hein. Avec le petit accent là, tu sais. Nous, on dit rien quand tu te trompes, toi. Hein, que... Non, c'est bien, je suis fière. Tu vois, ce que ton père, il fait pour toi, là. Et tu dors même pas. Hein? Tu vois comment il est posé, hein. Hein? Papy est posé. Bon, les amis, il est 19h40. Donc là, Jérémy vient de partir au travail. Je vous reprends que maintenant. Et en fait, je voulais vous parler de ce savon-là. J'ai vu sur le savon... de chez Action comme ça. En fait, il détache super bien ce savon-là. Avec des taches, avec les taches de petits pois et ouais, les taches de caca qu'il peut faire aussi. Sur le budget, du coup, j'ai vu une youtubeuse, mais j'ai pu trouver son prénom, sinon je vous l'aurais dit. Mais en fait, ce qu'elle a fait, c'est que c'est pas bête. Parce que moi, à chaque fois, je prends ce savon-là, je le frotte sur les vêtements. Et puis après, je laisse agir un petit peu et puis je le mets dans la machine. En fait, elle, ce qu'elle a fait, je trouve que c'est pas bête. Elle a pris un pulvée, en fait, elle a pris le savon, elle a mis dans de l'eau chaude, et puis après, elle a mis le savon dans le pulvée, en fait, pour, avec, vous savez, le pich, pich, pich. je sais jamais comment ça s'appelle, ce truc-là. Du coup, je me suis dit, ouais, pourquoi pas le faire, parce que moi, à chaque fois, j'ai tendance à toujours frotter le savon sur le vêtement, et je me suis dit, ouais, bah, écoutez, je vais faire pareil qu'elle, hein, parce que c'est un gain de temps. Et puis en plus de ça, tu mets juste un coup de pulvée, tu le laisses agir un petit peu et tu le mets dans la machine au lieu de le frotter. Donc là, je vais faire l'astuce avec vous et je me suis dit pourquoi pas le partager avec vous pour ceux qui ont des enfants ou des bébés. Ça peut toujours aider par rapport aux petites tâches du quotidien. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu l'astuce hein, qu'elle a fait, si je m'en souviens. Je me rappelle, hein, je ne vais pas vous mettre des conneries non plus. Donc là, j'ai fait chauffer de l'eau dans la bouilloire. Je vais prendre ça. Je vais le mettre là-dedans. L'eau chaude, je vais le mettre là-dedans. Et je vais mettre le savon dedans parce qu'en fait là, j'en ai un autre savon ici. J'ai celui-là qui est encore fermé, mais j'ai celui-là qui est déjà ouvert. Du coup, je vais mettre le savon là et je vais mettre de l'eau chaude dedans. Et je vais laisser jusqu'à ce que la couleur du savon vient. Apparaît dans l'eau, quoi. Je sais pas comment vous expliquer. J'explique avec mes mots, d'accord? Donc là, vous mettez le savon là-dedans, dans un trou comme ça. Hein. Moi, j'ai mis là-dedans parce qu'il n'y a que ça que j'ai. Et après, vous versez de l'eau dedans. Comme ça. Et c'est dommage parce que, à moins que j'ai mal entendu, je sais pas combien de temps est-ce qu'elle a laissé le savon. Il faut que je trouve son compte parce qu'elle montre plein d'astuces et tout, c'est super intéressant. Tout ce qui est niveau ménage et tout, franchement, c'est top. Et c'est dommage en plus, ce savon il sent super bon. Donc, je vais le laisser genre 5 minutes, peut-être. Je sais pas si vous avez la solution parce que j'arrive plus à trouver sa chaîne. Pourtant, je suis abonnée à elle, hein, mais j'ai tellement d'abonnements que j'arrive plus. Donc, là, je laisse comme ça au moins 5 minutes et puis après, je vais retirer le savon et comme ça, après, je vais le mettre dans le pulvée en fait. Puis à chaque fois, comme ça, si j'ai besoin, tac, 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 j'utilise. Je mets le pulvée tout simplement sur le vêtement, quoi.
On va voir ce que ça va donner. Donc voilà, les filles, elles sont toujours... elles sont pas encore rentrées, les filles. Elles vont rentrer après. Je suis avec Loan, il est en train de manger. Bébé Ewan, il est tranquille. Donc là, on a mangé. J'ai profité pour faire mon rangement, tout ça. Puis après, voilà, quoi. Bon, après, là, on a rien fait de fou dans le vlog, là. On n'a rien fait. De toute façon, il a plu toute la journée. Je vais vous montrer ce qu'on a fait parce qu'apparemment, il va pleuvoir. Il va y avoir une petite tempête cette nuit, là. Ou dans la nuit de lundi à... du dimanche à lundi. Ou... je sais pas, je vais vous montrer parce que franchement, là, on a retourné la table parce que la dernière fois, la table de Java qu'on l'a vue, elle s'est pétée par rapport au vent, la tempête. Donc, MDR. Du coup, voilà l'astuce que Jérémy a trouvé avant de partir au travail. Donc là, il a retourné la table. Pareil, il a tout retourné. Là, il y a le parasol qui est juste ici. Mais ça, par contre, le parasol, je pense que je vais le mettre sous le truc là-bas. Là. Voilà, c'est la solution qu'on a trouvée pour pas que la tempête emporte la table. Donc là, regardez, pour le moment, ça donne ça. C'est en train de fondre. Tu dois faire genre 5 minutes, j'ai fait ça, non? Ouais. C'est bon. Ça pique le nez? T'as fini de manger? Donc là, j'ai laissé au moins 20 minutes pour être sûr. Comme ça, je sais que il y aura assez le truc de savon qui est. Donc là, je le fais. Donc là, c'est bon, j'ai tout renversé là-dedans. Je vais secouer. Bébé, je vais secouer pour voir si ça mousse. Ben là déjà, je vais voir la maman. Bon là déjà, vous avez vu là? Ça mousse bien. Donc là le savon, je pense que... écoutez, je le fais. Et si j'y pense, si je vois que ça détache bien, qu'il y a assez de savon qui est parti dans l'eau et que ça détache bien, je vous le dirai dans un prochain vlog. Bon, ça y est, Ilana et Lenaya qui viennent rentrer avec Tonton et Tata. Ça a été chez mamie? Ouais. Oui. Ouais, c'était trop bien. Vous avez été promener où? Alors, on est allé chez Tata, après on est allé à Leclerc. On a acheté même des Tata, elle a acheté même des pop avatars, les nouvelles. Ah, le tu dégoûtes. La garçon nouvelle et le garçon. Regarde, celui-là je l'ai acheté aussi. Il était le même jour que moi. On a cherché plein de bidoux. Moi, il y avait pas. J'ai trouvé la mienne, mais pas la seule des filles. Regardez. Moi, il y avait des filles. Regarde. Alors, il y a le 25 septembre. Ça, c'est pour Tata, ça. C'est Easy. Il s'appelle Easy. Easy. Petit chien. Ah, ça dégue. Si tu fais des bisous, ben, ça... ben, il faut reculer. Moi, je ne viens pas de parler. Si, viens. Voilà, je vais vous montrer les amis ce que j'ai fait à midi. Du poulet, enfin midi pour ce soir. Ouais. Vous avez tout regardé? Mamie, elle a lu les commentaires du live. T'as pas faim, tonton? T'as rajouté... ah oui, bah oui, papa il a dit il aime bien les enfants sages. il va pleuvoir cette nuit là. Hein. C'est pour ça qu'on a tout retourné. Il en reste un dernier. Ah ouais? On verra qui pourra prendre le dernier. Ouais. Mais il y en a encore là du chocolat dans le frigo. Hein. Ah ouais? Jérémy il a dit quoi la dernière fois? Il a pas dit qu'on allait tout manger? C'est pas chocolat d'avril. Si c'est chocolat d'avril. Ça y est, elle va me dévaliser tout mon chocolat. C'est pour le dessert, ça. Hein. Tonton, tu as le bien? Il va bientôt pleurer. T'as de la chance là qu'il pleure pas. Non, là, il est bien là. Mais doucement. Mais vraiment, il faut un couche-pied. Attends, on prend un peu de chocolat, c'est pour la santé. Oh, ça dégue. Bah c'est Louis, ça sort du frigo.
descendre là. Ewan. Jour. Qu'est-ce qui t'arrive là? Je suis sûr, il tremble. C'est parce que je l'ai saisi comme ça, je le tiens et là il est bien. La chance. Regarde, parce que vous êtes entre mes. Regarde, elle a fait trois tresses comme ça. Qui t'a tressé, c'est Tata? Non, c'est Vivi. On a fait trois tresses là. Elle a fait trois tresses comme ça. Et après, elle a fait. Il y a du rire en dessous. Bon, je vais aller voir le tapis pour la voiture à tonton. Il va me présenter le tapis qu'il a acheté chez. Chez Naruto? Mes clés, je les ai laissées dans la maison. Du coup, faut que tu. Bah, ouvre là, non, t'as pas le truc là? Bah, la voiture elle est fermée. Regarde, il me montre, regarde, il m'a appelé. Maman, regarde, c'est pour que je regarde. Ça se fait pas, bien pris. Attendez, je vais vous montrer le tapis de tonton. Voilà, il est content, il a changé de tapis et tout dans sa voiture. Pom, c'est le tapis de tonton. Voilà. Ouais, c'est ça. Bien, ouais, bien, tonton, bien. Faut que j'essaye ta voiture un jour. Ouais. Tu vas. Ça va pleurer. Bah oui, ça va pleurer. Et avec il pleurait pas avec Cédric tout à l'heure. Bah oui. Il fait froid. On rentre. Moi, je vais ranger un peu. Vous mangez pas? Non, mais je mange pas toute la journée. Tu manges pas? Arrêtez de traumatiser mon enfant, il veut pas. Tata, t'arrêtes. Oh bébé, viens. Tu veux que je le prends? N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Là, je vais aller au lit parce que je suis fatiguée. En plus, il est super tard. Il ne doit pas être long de 23h. Mon frère, il vient juste de partir. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bye!